Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. La valeur sacrée là, qui est-ce qui groupe qui t'a qu'à cautionner ça passé 6-7 juillet, qui m'a qu'à gagner ça comme Jovenel Moïse? En pile monde, parce que le président de la République, le défunt président de la République, n'a pas respecté une norme humaine de base et une norme chrétienne de base. Rechercher la paix avec tout le monde, sans quoi nul ne verra le Seigneur. Il t'a attaqué tout le monde, d'ailleurs il dit ça à bouche. Mais nous avons un train la conduit, à vitesse train ça après aller. Il parle tout le monde, train ça pas de frein. Donc, si on ne met pas à côté, il y a un petit accident. Et il me dit le contexte, il dit que finalement, sa président Braille, c'est qu'il y a un mur en acier sur la route de ce train. L'elfin crase mon à gauche, crase mon à droite, train après entrer dans le mur. Et son mur d'acier, et d'acier solide. Le président rentre dans le mur, et moi, pas crois que c'est ça, Haïti a besoin. Même après, il y a certains acteurs qui ont véhiculé des idées, qui ont retourné, d'après eux-mêmes, dans la tête, dans l'imaginaire, en Haïti, nous rouges, nous noirs, mon qui gagne comme, mon qui gagne comme, même si le président récite d'inaugurer le mandat là, qui va durer plus que 7 mois. Exactement le même discours. Qui t'a voulu faire quoi pour résoudre le problème social, différence sociale qui gagne, il faut un peu en bas pas gagner, monter à le chercher quand mon qui gagne, ça trop dans le même. Il reproche le monde qui a dans l'État, qui prend, comme l'État qui a fait business avec. Bon, est-ce que c'est mon avec un ami qui est rentré dans l'ONA par exemple, et puis il a levé 200-300 millions. Ok. Il a levé 200-300 millions. Il a investi. Il a travaillé, il a fait mouvement. Ok. Bon, puis l'autre monde qui prend combien de millions, nous ne savons pas qui ça va faire. Écoutez, oui. Ça qui passe. Non, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Tirer ou deux mondes qui nous disent, ok, nous allons déchouquer. Déchouquer veut dire quoi? Voler. Al voler, un bagage qui va pour vous. Quand on a un discours qui peut justifier le choukage, donc qui peut justifier un monde qui a volé. Pas pour qu'un citoyen, même si dans la misère absolue, il doit revenir, c'est volé, mais il a volé par l'autre monde. Maintenant, comment l'État a pris un espace de sérénité pour organiser la société, de telle sorte que les disparités sociales sont capables d'amoindrir. Vous dites devant moi, devant très bien, mais ça n'a pas justifié, ça passait dans la 6-7 juillet. Bon, il n'y a pas qu'à justifier, mais il était là, tout le monde normal. T'es où elle est? Et il est très clair que le président avait abordé beaucoup de dossiers importants pour l'État haïtien. Mal. Et l'État fait d'abord, au monde qui n'a tête dans l'État, fait pour le serein, même s'il est obligé de faire. Par exemple, moi-même personnellement, comme officier de l'armée, moi, version absolue contre la violence. Pour moi, la violence, c'est l'expression maximale de l'incapacité mentale pour maîtriser un problème. Un monde qui est violent, c'est un monde qui est bête. C'est un monde qui n'a pas une réponse humaine ou sociale à un problème. Je me rappelle que j'ai organisé une élection en Haïti comme secrétaire d'État, sécurité publique. Même pas un monde qui était tiré sur personne, pas un monde qui t'a arrêté personne, quand on pas un grand monde qui était pour un roche qui t'a levé son grand bureau de vote. Il n'y a pas de personnes qui t'ont levé, faire réunion, mettre du feu dans le bureau de vote. Pour qui ça? Je ne pas aborder tâche moyen quand c'est la guerre pour mal faire. Dans le bagage que nous avons là, nous ne pouvons peut-être pas parler en pile d'embêtement et insécurité qui l'a cap dormir, qui prend le réveil, qui a tant de mouvements pour le réveil, vient son nom. Mais quand on nous dit quoi, faut faire 20 l'État pour chercher bandits pour tuer, etc. Un peu sans que pas comprendre, c'est transformer mental l'État dans le même état mental bandit. Ce n'est pas ça le rôle d'un État. Le rôle d'un État, c'est arriver à neutraliser le citoyen déviant. À comprendre le mécanisme qui fait le vin déviant. Par exemple, d'après le monde qui peut vous dire pour résoudre le problème de sécurité, elle tire le bandit. Okay. Parce que le bandit a rien. Première question pour me répondre comme l'État, comment ZAM fait trouver le nom bandit.
parce que ZAM fait pour le trouver dans mon état. Donc si je ne résous pas le problème, ZAM qui n'est pas capable de me bandir, mais tu es un bandit, il y a toujours un bandit qui a bien ZAM dans mes mains. Je me rappelle, j'avais été reçu par le président de la République, le président Jovenel Moïse, qui était proposé, bon, la tête en Haïti, c'est tout son job. Moi-même, une position dans l'État, je dis pour moi, responsabilité d'abord, pour me aller dans le CNDDR. Et lui, il m'a dit, bah, ça, presque 6 mois après, le film balé ça avec, moi, je dis non. Moi, je dis le président, écoutez, quand on a parlé là, nous avons fait déjà en Haïti. Il n'y a pas de bail résultat, mais pour qui ça, il n'y a pas de bail résultat. Côté n'a pas essayé de résoudre le problème, ce n'est pas le problème. Il y a une partie vraiment pour nous résoudre là, oui. Mais un problème pour résoudre, il faut aller dans la source. Premier source problème, non, ce sont les gens qui font rentrer les armes sur le territoire de la République. Et je me rappelle de la commission avant. Là, on a parlé de ça. Moi, je dis que pour neutraliser 26 membres. Et moi, le président a arrêté 26 ans et pour avoir la peine un problème ça. 26 membres. Pas plus. C'est pas un pays qui a fait des ordres dans le pays, non? C'est même pour le contrôle de l'économie pas diversifié. C'est pas un pays qui a contrôlé l'économie en Amérique. Maintenant, c'est et pour qui ça a gagné comme ça? Ils sont violents avec lui. Parce que nous faisons peur. Donc, nous construisons le pays sur la peur, nous distribuons la peur. Je suis un homme qui fait peur. C'est le chef qui a fait peur. Quand le chef l'a dit, il a fait peur parce que c'est misère. C'est ça lié dans la croyance. Le chef là, il est là pour le protéger. Il est là pour le ferme, mais il est d'abord là pour le juste. Donc, nous savons qui est comme. Nous constatons, nous faisons dans l'histoire. Grand pile, nous avons cité carrément Sirou Libanais, etc. Mais c'est deux mondes qui deviennent dans le pays parce que Haïti est un refuge pour eux qui venir. Qui ça va faire le travail? Maintenant, président Bonabdil, sauf qui va imbécile qui va prendre. Nous avons des avantages, nous avons des avantages, nous consolider pour tête, pour famille, etc. Nous ne faisons aucune exigence pour respecter les normes fiscales, pour payer l'État, ça aucun pour payer. Nous ne pouvons pas sécuriser pour développer. Nous faisons business, ça va au moins pour faire 12 business. Parce que chaque business fait bon pile mon capable. Mais sauf que tout le influence les décisions qu'a prendre l'État. Mais ça a toujours un avantage. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal, c'est intérêt des fois. Mais ça pas tout le pays à l'État. Vous avez intérêt au pays à changer tout. Mais ce n'est pas vous-même pour vous bailler pays à ce pays à pour organiser pour le prendre. Mais ça peut influencer l'État dans le sens qui m'oubliera seulement. Non, mais écoutez, là on ne vient pas en bas, nous prenons la campagne. Nous offrons nos corps pour aller dans la campagne, nous prenons. Donc, nous ne pouvons pas faire dans la campagne, donc nous acceptons, c'est boss nous. Parce que nous qui avons un corps pour faire le travail, c'est boss nous. Maintenant, pour nous, on finit pour un pouvoir, ou nous, il n'y a pas bon, il n'y pas bon. Il n'y pas bon. Nous montons tout le système politique, nous avons une dépendance par rapport à nous qui avons brûlé ces blancs noirs en Haïti, ou bien par rapport à l'étranger. Par exemple, notre crise nous est là. L'opposition passe près de 4 ans avec le président Jovenel Moïse pour le jeter. Il n'y a pas répondu à la question, je vais tomber à qui ça a fait. Au point que il va arriver végétal, bon, il va aller. Il va camper pour qu'on dise à vous faire toujours. On va arriver là, devant, mais puisque nous allons le faire tout à l'heure, et les leçons à tirer de ça passé 6-7 juillet. Rapidement. Bon, leçons à tirer, faire bagaille avec mon qui conduit à pour le faire, j'en fais pour le faire. Point. Pas de aucun bagaille, pas aucun extraterrestre. Qui a sauté à l'étranger, rentré en Haïti, venu faire une sorte de virée d'olé. Par exemple, j'ai assisté au Venezuela à plus de 3 tentatives de coup d'État contre le président Hugo Chavez, avec l'attaché militaire américain Amira Flores, donc au palais national vénézuélien, coup d'État raté. Pour qui ça? Parce qu'il y a des normes techniques qui ne sont pas respectées, il y a des normes social, l'on va respecter son fait, il n'y a pas de passé. Donc, pas aucun pays qui a rentré fait ça, et puis on connaît pour ne pas faire le tout. Ou pas, les Américains rentrent dans le dossier ça, plus il y a essayé d'avancer dans l'agenda, ou il y a la difficile, qu'on a aussi haïtien pour entendre. Mais nous n'avons pas besoin, c'est eux-mêmes qui devinent dire nous. Là maintenant, plus passé 20 jours après, accord politique que nous avons souhaité pour que j'aime arriver fait. Donc, la commission de la société civile qui continue à rencontrer nous, nous avons un draft qui est disponible, nous avons souhaité bien le maximum d'acteurs qui signent. Pour le ministre, il y a un peu de temps pour parler avec tout acteur
pour arriver à quoi là, ou même qui c'est un, je vais dire observateur, parce que vous rencontrez Mounio, vous êtes leader politique, vous dirigez le gré. Qui ça qui fait problème 20 jours après, nous pas qu'à mettre d'accord pour nous dire ça la fin pays. Et parce que nous mal appréciés responsabilité que nous avons vis-à-vis du pays, vis-à-vis de citoyens et de citoyens là-dedans. Si nous bien apprécié responsabilité, pour nous chercher sa gâte là, est-ce que je suis capable? Si je suis capable, personnellement, à qui monde, qui équipe nous avons monté pour solutionner tel problème? Par exemple, ma profession pile sur aborder question sécurité. Par exemple, on prend mon divin président la Rounia, monter système sécurité, son bail extrêmement fragile. Faut qu'on ait bien, faut faire bien, faut qu'on entende avec un pile l'autre monde. Et qu'il y ait capacité pour neutraliser un pile ennemi potentiel. Parce que dès que tu arrives au pouvoir, tu as une cible. Par rapport au jeu des intérêts, même intérêts qui menaient à la mort du président Jovenel Moïse. Donc ce n'est pas une petite opération. Donc il y a une manière pour faire. Leçon à tirer, c'est que bon, pile bagaille qui était fait, qui mal monté dans le système. Non? Et c'est pourquoi moi, je suis pour une transition ferme, mais apaisée. Sans violence verbale, sans violence sociale, sans activité bête. Le monde a fait un accord là. Et chaque fois, nous savons qu'il y a une solution par un approche chaud. Mais non. Et nous voulons imposer solution. Nous voulons qu'au fur et à mesure, nous arrivons à la raison. C'est mon exercice que nous faisons instinctivement. Parce que pour le monde qui veut l'État, il n'y a pas l'État en termes de responsabilité, il y aurait l'État en termes de jouissance. Des gens qui enfin arrivent à être quelqu'un. Nous avons un gros problème de ego. Nous voulons vivre le monde. Et ce qui est humainement, légitimement compréhensible. Mais que l'État fait pour organiser le problème. Pour neutraliser. On va quand même faire le détriment de l'autre. Non, mais et justement, c'est là pour nous aller dans ces situations ethno-sociologiques haïtiennes. Haïti, comme ça, je veux dire, c'est parce que nous ne croyons pas que l'autre là, il a un droit d'exister. Mon qui est plus riche là, mon qui est couleur clair, moi-même, mon qui est couleur noire. Et nous-mêmes, tout pour connaître que nous avons un droit d'exister. Maintenant, il faut organiser le cadre social là. Pour le monde, ça fait un bagage qui montre que le pas qu'on aime doit exister, que l'État dit non, monsieur existe tout. Il y a droit à manger, il y a droit à travail, il y a droit à santé, il y a droit à l'eau. Maintenant, pour ceci, au grand comme, m'a permis de faire plus comme toujours, ou de développer plus de business pour qu'on vienne plus, pour qu'on travaille, pour qu'on sorte dans la misère. C'est comme ça que l'État organise. Pas organisé sous la guerre, un groupe contre l'autre. Les fêtes pour monter tout groupe ensemble. Maintenant, côté nous, là. Moi, quoi, les difficiles. Mais nous obligés à aboutir à lui. Et m'apprécie un peu que, suivant ça m'entendait, ça moi à travers les réseaux sociaux, que la primature va démentir, que le premier ministre a rencontré un peu le groupe. Pour qui ça? Parce qu'il reconnaît que le gain a un problème. Il ne peut pas arriver à une harmonisation minimale. Le premier ministre n'a pas jamais opéré, faire l'État fonctionner sans président. Parce que, on est en dehors de toutes les normes constitutionnelles, voire légales. Il y a une série de tâches qui sont attachées à président seulement et infrastructure, situation que nous avons là, pas permettre que nous passions au-dessus de nous. Nous avons une première difficulté, un premier problème pour résoudre. Premièrement, il faut que nous entendre pour le président de la République. C'est pour nous mettre ça, vous voulez, il n'y a pas de contourner le problème. Ça. C'est le président de la République qui peut nommer directeur général, c'est lui-même qui peut nommer directeur et service déconcentré, c'est lui-même qui peut sortir arrêter pour convoquer le peuple à sa commission. Le premier ministre n'a pas gain pour voir ça. Et soit dans tout texte de loi, même sa camarade a été voyée, il a montré pouvoir pour le premier ministre gain, pouvoir pour le premier ministre arrêter dans la fonctionnalité du gouvernement. Donc, il faut que nous cherchions un président. Un. Deuxièmement, il faut que nous montrions un programme apaisé pour. Nous soutenons la guerre, la guerre, la guerre. Ferme. Il faut que vous assurez les raisons que les bandits vous connaissent, que vous n'avez pas lever le matin là pour sortir à faire ça. Vous voulez, si vous sortez, vous n'avez pas rentrer. La forme claire, parce que le bandit a connu, il n'y a pas de sortir avec 11 âmes dans la rue. C'est parce que l'État n'est pas là qui fait le faire. Il faut le connaître. S'il fait, ça a puni. Et il faut que vous fassiez le faire, ça.
pour diagnostiquer qui ça mène nous dans tout ça. La désorganisation de l'État. Par exemple, ou pas jouer une solution en Haïti, sous pas arriver à une conférence nationale qui rouvre la question de la Constitution, parce que le pays a tout mal organisé en dans la Constitution. Il faut que nous résoudre le problème. Ça. Il n'y a pas qu'à résoudre en 2 mois, maximum 3 mois, 6 mois pour faire, pour qu'à déterminer un cadre légal. Et la première institution en urgence à mettre sur pied, c'est la justice. Parce que tant que la justice dans un pays sentit bien ou pile l'autre acteur qui sous tête les qui a ordonné, il perd l'indépendance et tout le monde a un problème. Durée transition ça. Pour moi-même, dans les bonnes conditions, 18 mois. Dans les bonnes conditions, rouvrir l'organisation spatiale de l'État, réorganiser les sections communales, les communes, avec des mounes, avec un pile jeune qui gagne, un pile monde qui est dans la diaspora. Nous sommes même dans le gré, nous avons proposé une sorte de compétition nationale entre les communes. Voyez l'argent dans les communes pour jouer de notables dans les communes, des ressources dans les communes qui sont communes, mais qui sont à l'étranger, qui sont communes, qui ont des ressources techniques qui sont dans Port-au-Prince. Mais une sorte de compétition nationale au niveau de toute commune, bah, au moyen pour qui commune a fait plus belle bagaille dans 6 mois, dans 1 an. De telle sorte que nous faisons émulation sociale et économique, de façon que nous déconcentrer l'esprit pouvoir macro que nous avons dans Port-au-Prince. Mais c'est le président provisoire ça qui paraît plus compliqué. Hein? Parce que chaque monde t'en aimait et c'est même pas qui passe. Bon, il faut nous finir par jouer nous entendre sur ça. On peut finir le monde qui a pensé. Je suis en tête longtemps. Pardon? Parce que je suis en tête longtemps là ici. Et bon, pas venir. De toute façon, si nous ne jouons pas, nous ne pouvons pas faire comme normal. Donc nous jouons, on est tranquille. Mais moi, je dis, nous prenons 2 mots. Transition, ça faut le faire. Une transition tranquille, mais ferme. Ça veut dire que pas de monde qui a fait tapage, mais pas de monde qui a quitté le monde, vient faire ça et ouvrir non plus. Mais parce que là, ma façon, j'ai mis Matisse en là depuis le 1er juin. Il n'y a pas qu'à passer. Ce qui n'est pas normal. Ce qui techniquement, c'est un faux problème. Faux problème. Oui. Bientôt 2 mois, hein. Bientôt 2 mois. Bon, bientôt 2 mois, parce que c'est un vrai faux problème. C'est un problème qui est vrai parce que nous avons subi. Il faut parce que méthode pour résoudre a existé. Premièrement, il faut nous sortir dans le mental la guerre. Sous territoire, le monde qui doit faire la guerre, c'est l'État. Et le fait pour faire la guerre contre un monde qui a mis en danger la vie de l'autre citoyen. Et il faut que le monde qui a fait la connaître, s'il fait, la a une réponse adéquate. Parce que personne ne monde, tout aussi bandit que la vie, qui met la mort. Et il y a une structure de renseignement organisée. Donc, ouais, les besoins sociaux pour mieux, pour faire une capacité pour suivre l'argent. Et pour suivre l'argent. Il y a un peu de qui là, qui n'a pas dit, mais famille, ménage, madame, yo, pas ici. Il a fait transfert vos ébats chaque mois. C'est, nous n'avons pas l'organisation de surveillance de l'État. Oui, mais on n'a pas un pays qui va même protéger le président. Bon, le pays a choisi pas protéger le président. Le pays a choisi, pas pays, a. Nous qui n'étions pas pays, ont choisi de faire des ordres. Par exemple, je suis sauvé les bagages de 10 présidents, mais au fur et à mesure, événement a passé, parole a parlé, m'a regardé des textes de monde qui démontrent des compagnies pour faire des bagages qui sont totalement en dehors de la loi. Mais ouais, pour qui ça l'aime des présidents, ça a été baissé tête, il débaissé les yeux d'abord, il débaissé tête ensuite. Moi, je dis, nos bagages, il connaît. Il connaît, samedi là. Mais nous-mêmes, tous les faits introspection, il dit, oui, foot, en rebouvine, la bonne, avec papa, très bien. Donc, il faut choix. Ils font choix. On va nous fabriquer des amis. Oui, ils font choix pour les gens parler, pour intérêt économique, pour mix, immixer les gains du point de vue social avec de l'autre monde. Oui, ça ne va pas faire l'équité ça. C'est comme nous avons dit une blague, et nous avons monté le gouvernement d'Haïti, interroger la douane pour lui, interroger la PN pour lui. Écoutez, bon, c'est normal pour le président de l'État dit, l'étape défendue par un menin. Bon, si on est tout ça pour l'État, pour faire la population jouer un service, bon, pour nous qui approprié, c'est vrai que je regarde des réunions qu'a fait, ils ont dit qu'a fait à l'étranger, qu'on a cherché pour distribuer, pour séparer tout ça.
bon côté l'état après jamais qu'a fait route jamais fait 102 centimes mais non vous devez pas ça tout faire ça caracol là et parce que chaque monde le prend tibay dans gâteau aussi pas un gâteau encore mais écoute si nous fait pays à marcher bien tout monde a vraiment par exemple moi je suis moi crois que monsieur Nara fonctionnaire de l'état qui quitte l'état qui pas gain consultation aucun côté dans l'état qui pas gain aucun chèque pas touché dans l'état qui n'a aucun monde qui a aucun avantage dans l'État, la voie bon moi. Pour qui ça? Parce que depuis que je me trouve organisé pour vivre de manière indépendante, mais vivre surtout avec Samgen. Je ne sais pas combien de temps je travaille dans TNH, TNH paye. Je ne sais pas combien de temps je vais gérer sans sportif de Carrefour. L'État paye. Monter activité personnelle. Moi, toucher la dedans. Comme je ne vais pas gros vent. Je ne vais pas manger en pile. Manger petit petit ça me vivre avec le moi bien avec ma conscience de toute tranquillité. Je ne vais pas ma couture quand elle va arriver. Je ne vais pas croquer ma couture quand elle va arriver et je suis toujours heureux. Peut-être que je ne vais pas faire comme ça, mais je suis presque à zéro, je suis presque au niveau de sous au niveau de la misère. Mais je suis un miséreux heureux parce que je fais ça, je suis capable de faire et c'est philosophie et personnellement. Donc, moi-même, je crois que moi, c'est une dernière émission m'a fait sur le sujet. Ça. Pour ça, je découvre que nous sommes consultants national, international, sans goût. Ce n'est pas normal pour ces gens là. Je m'a tout bête ça. Et puis, je sorti là, directeur de télévision, par mettre mon chèque 5 000 $ pour consultation. Oui, mais non, je ne sais pas si je vais vous donner de consultation, mais je vais trop facile. Comment Haïti demain en 30 secondes pour finir? Haïti demain, il est capable de continuer dans les autres que tout comme tout le capable de faire un revirement. Parce que nous croyons que tout mal que nous avons vécu, c'est blanc qui fait nous. Blanc n'est pas capable de faire nous sans nous aider. Nous. Blanc connaît, nous connaît. On continue de faire des chites à parler. Et moi-même, je crois que pas aucune raison pour nous toute misère morale, ça, toute saleté, ça, pour nous faire un pile citoyen comprendre ce si nous avons des âmes, pour nous capturer un monde, pour nous vivre. Pas aucune société le fait comme ça. Le monde existe partout à travers le monde, mais il y a l'État qui est toujours face à ses déviés pour prendre, pour amener un côté, pour retourner des citoyens normaux. Évitons la pensée de la guerre, pensons à une société normale, ferme. Régulé, mais tranquille, sans violence verbale, sans violence physique qui n'est pas nécessaire. Et puis, joindre deux mondes, bien. Deux mondes qui sont tranquilles, qui sont apaisés, et qui ne pas vont passer dans la violence verbale, dans le fait zakal voler l'argent de l'État, bien. Nous, comme ce n'est pas renouvelé, oui, mais c'est eux-mêmes nous besoin pour nous traverser par cela. Mais il faut aussi une très forte et intelligente mobilisation de l'élite intellectuelle haïtienne, mais surtout des jeunes, parce que ces jeunes qui ont passé toute mise, qui ont vécu toute mise à là, et c'est eux que vous voulez, que vous ne voulez pas, qui ont pu gérer à nous, avec tout mal que nous avons là. Et vous, parce que vous êtes donc, il faut que vous impliquiez, parce que Haïti est trop belle, Haïti est trop riche, pour nous vivre dans la misère morale que nous avons. Merci à vous, le colonel Libye. Ça a été un plaisir. Voilà, évidemment, on a mis au point Emile Rébu, qui est avec nous, pour nous regarder ce qui s'est passé le 7 juillet, point de vue comme spécialiste en sécurité. Mais tout regarder ça nous a fait pour nous sortir côté nous aujourd'hui. Soutenez avec nous en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Après si grand Dieu, nous ne pas tout ouais même là avec nous. Qui ça nous va faire pour les gens, pas tout ouais. Et nous devons courage dans nous de reprendre courage. Mon grand VP m'a 94%. Je dis nous merci. Je dis nous, ce n'est pas un cadeau qui vient faire nous comme président, qui nous remettre nos engagements de avec nous. Je viens servir nous, je viens pour le développement de nous. C'est nous qui pour prendre. C'est nous-mêmes qui pour aider. Là nous on bagaille. Pas qui fait pas occuper le monde. Kabal dit nous avons fait barrer la route, nous avons bloqué la rue, non, fallait lire dans nos oreilles, et puis pour le problème qui gagne ensemble, pour nous résoudre. Mon grand dans mon Jérémy, nous sommes des mondes pacifiques, nous sommes fiers de nous, nous sommes des mondes civilisés, nous sommes fiers de nous. À partir de Assoué, 27 février 2021, nous lançons centrale 5 là.
Moi, je voulais que mon cap vive dans zone n'attendait bien 24 heures sur 24 pour moi. Les bons pannes, central la pape marché, c'est pour directeur central la radio pour l'expliquer nous-mêmes, parce que c'est nous qui mettons central là, c'est nous qui mettons pouvoir. C'est pour le dire pour qui ça. Parce que nous n'avons pas de tel barrage et puis pour personne ne connaît. Grâce à la centrale Jérémie, qui a fonctionné avec 5 moteurs et puis 2 transformateurs 3 MW chaque, président Jovenel Moïse montre une autre fois encore, depuis une stabilité politique avec bonne volonté, en pile bagaille possible. Jusqu'à dernier jour mandat, 7 février 2022, la continue poser action pour toute grande ville pays, l'IME 24 sur 24. Le Premier ministre Ariel Henry visite lundi 2 août la Cour des comptes à contentieux administratif. Docteur Ariel Henry souligne l'importance de cette institution, il dit qu'il joue un gros rôle dans contrôler l'action et dépenses l'État. Le Premier ministre a encouragé Jijio à continuer de travailler dans le respect de la loi. Et en bout de la déclaration, le Premier ministre Ariel Henry, le micro Lunel Jean-Louis avec Hervé Pierre. La Cour des comptes sont une institution qui est essentielle, qui est importante pour l'État. Il est important pour contrôler l'action dans l'État à faire au niveau des finances. Il est important aussi pour le bail justice, ça veut dire justice dans l'administration, justice administrative. Nous devons ouvrir la Cour des comptes et nous avons conscience de travail avec eux pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous avons besoin pour contrôler ça n'a fait parce que nous croyons que l'État n'a pas qu'à marcher sans pas de contrôle. Ça a eu les réditions des comptes. C'est-à-dire que l'État finit de dépenser l'argent et même avant de dépenser, il faut gagner des contrôles sous lui. Et nous voulons contrôler l'État. Nous remercions parce que vous kembe, vous bail rapport, vous bail jugement et qui vous permettent que l'État ne pas fin de dérailler. Je dis, hein, Président, nous disons merci pour ça vous fait pour nous. Vous kembe paysan, non certain. Dans certaines directions. Et nous devons dire tout que nous disposons conformément nous à la loi, tendre avis, soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les nappes fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi. Président Cour des comptes là, Rogaville Boisguené salué des marches PM non, d'après ça le fait qu'on a qui visait renforcer l'institution. Maître Boisguené souhaitait gouvernement pour le prendre en considération recommandation la Cour a bien pour faire dans cadre projet contrat mettre la télé dans micro Lunel Jean-Louis avec Hervé Pierre en côté. Nous avons échangé sur ensemble de points que nous estimons qui est indispensable si nous voulons gagner le pays. Qui chita sous rédition des comptes, qui chita sous sa rôle état de droit, qui chita sous rôle et attribution chaque monde doit jouer. Et le Premier ministre Ariel Henry promet que le gouvernement, c'est un gouvernement qui a appliqué la loi, c'est un gouvernement qui a pris en droit à bien pour le produit son ensemble de rapports et son ensemble de documents que vous soumettez. Les qui croient émettre des avis sur des projets de contrat, ils prennent engagement pour rencontrer le gouvernement, pour demander une priorité à la lumière de la loi, priorité en application de la loi, et pour être capable de permettre que le pays sorte dans le marasme économique qu'il y a, que le pays sorte dans la situation que tout le monde connaît qu'il y a. Organisation non gouvernementale médicale Médecins sans frontières annoncé lundi 2 août 2021, il prend décision de camper toute activité dans le quartier Matissa à cause climat et sécurité qui gagne suite à affrontement dans le temps gang à Xamio. Situation ça a une conséquence sur le fonctionnement Médecins sans frontières dans la zone ça, d'après coordonnateur terrain MSF. Là. Désir Kimanoka fait qu'on est MSF capable toujours retourner dans la zone Matissa si toutefois Zach Violation t'a suspendu. Organisation humanitaire a besoin de la paix établie pour porter soin de la population dans le quartier Matissa, d'après ça le précisé.
Yon bout dans déclaration l'ami côté RH. En suivre. L'insécurité devient chronique. Le risque d'incident, soit pour nos personnels ou nos patients, devient de plus en plus élevé à cause de la guerre ou des affrontements continus entre les différents groupes armés de la zone. Malheureusement, après plusieurs discussions avec les différents leaders communautaires de la zone, on n'a pas reçu de garantie par rapport à la sécurité, non seulement du personnel, mais aussi des patients. Donc l'accès à la zone reste pratiquement difficile, non seulement pour nous, hein, mais pour tous les acteurs humanitaires qui essaient de traverser cette route-là. La situation est vraiment difficile. Et si jamais la sécurité retournerait, on pourrait voir dans quelle mesure, on pourrait voir s'il faut évidemment apporter encore des secours à cette population de cette partie de la capitale. Mais les employés MSF, bien sûr, depuis quelques mois, ils sont à la maison. Nous, on continue à réfléchir dans quelle mesure on peut avoir évidemment à délocaliser nos activités dans d'autres parties de la capitale. En fait, on avait suspendu au départ pour une semaine le temps de voir un peu ce qui se passe, ben voilà, de discuter avec les différents leaders. Évidemment, on a compris que c'est compliqué. La situation va de mal en pire. Non seulement pour nous, en tant que acteurs humanitaires, mais aussi pour les patients. Parce qu'il faut savoir que il y a eu beaucoup de patients qui ont quitté la zone de Martissé, qui ont fui notamment vers le sud. Et à chaque déplacement pour venir se faire soigner au niveau de Martissé, c'est un risque qu'ils courent par rapport à leur vie. Et nous, on ne pourrait plus se permettre de continuer à travailler dans ces conditions. Voilà, précision, coordonnateur terrain MSF, la Désiré Kimanuta. L'autre information, dans le journal là, conseil l'aide avocat Port-au-Prince l'a annoncé, avocat Bawa, personnel judiciaire, l'homme, maître Claudie Garçon, samedi 31 juillet 2021. Maître Claudie Garçon est inscrit dans le tableau l'ordre là, dans date 11 avril 2021, dans numéro 1981. Bawa rappelé, maître Claudie Garçon est occupé poste commissaire gouvernement, juge d'instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince, avec directeur général, unité lutte contre corruption, ILCC. Dans ces circonstances pénibles, le conseil a exprimé condoléances et sympathie par les familles Garçon pendant l'invité même corporation à témoigner affection dans l'occasion funéraire mettre là qui a célébré dans une date qui a bien pour communiquer. La première direction, la Tibonite, pour une fois qu'on est direction sanitaire, département Sila, lancé week-end passé à campagne vaccination contre coronavirus. Personnel santé, avec monde qui gagne 50 l'année pour Pipiti, gagne priorité dans la première phase, campagne ça qui a déroulé sous tout département la Tibonite là. En correspondance avec Exalus. Mergena, on suit. Autorité sanitaire dans la Tibonite lancé officiellement campagne vaccination contre COVID-19 là dans l'hôpital La Providence Gonaïve vendredi 30 juillet. Week-end passé, dans le cadre il y a 2000 doses vaccins, société américaine Moderna qui est disponible d'abord pour personnel médical dans le département, avec monde qui ont 50 ans et plus, qui ont priorité pour recevoir la première dose. Mercedes Philogène, c'est responsable campagne vaccination dans la direction sanitaire, la Tibonite là. Dans la première phase, ça, côté déjà, nous recevons seulement 2000 doses, nous concentrons sur le personnel santé. Focus en cible, c'est personnel de santé. Naturellement, si il y a des gens de plus de 50 ans, 50 ans et plus, avec, qui fait tension, qui fait un sucre, des gens qui ont des maladies chroniques, qui vont mourir d'un moment à l'autre, on a profité pour les gens. Mais focus, on a dit encore, c'est personnel de santé. Tout ça. Parce que, il y a une première ligne. Il y a des contacts avec un malade, donc nous sommes obligés, si quantité nous recevoir, nous commencer avec lui. Pour encourager tout le monde, pour un vaccin anti-Covid là, qui selon l'autorité sanitaire, n'a pas représenté aucun danger pour la population, plusieurs autorités politiques et sanitaires dans le département déjà recevoir première dose vaccin. C'est Capou, délégué départemental là, M. Enoch Géné-Génélus, directeur départemental Santé, Dr. Marcel Châtelier, agent exécutif intérimaire, pour ne citer ça seulement, tout le monde qui prend première dose vaccin anti-Covid là a retourné dans 28 jours pour deuxième dose là qui est déjà disponible selon Dr Marcel Châtelier, directeur sanitaire de la Tibonite qui fait connaître
gen l'autre type vaccin MSPP a bien pour recevoir dans cadre campagne là. Les mêmes autorités, si nous prenons enfants, nous parlons population par les états, pour que je dise que nous gagnons le Moderna, de même que la de Pfizer, la de Johnson et Johnson. Nous faisons quand même pour le moment satisfaire de ce Moderna. Vous promettez que l'enfer comme un Dieu et le prêteur pour le fini, en première phase, parce que même vaccin de Moussao, il faut qu'il y ait tout le deuxième vaccin qui est à la fin. Campagne vaccination contre Covid-19 là a déroulé dans 5 sites qui l'ouvrit dans tout département, précisément dans l'arrondissement. Ce site-là, nous ne disons pas, nous ne faisons pas arrondissement. Nous commençons avec l'arrondissement de Gonaïve, qui l'a pour 3 communes. J'avais des sites de Gonaïve là, l'a vacciné 3 communes. Gonaïve, les Fleurs et Louis. Demain, Gomon a vacciné Gomon, Pierre-Neuve et Fouji. C'est Michel a vacciné, c'est Michel Mamelan. Et c'est Marc Guéret pour vacciner. C'est Marc, Véret et La Chapelle. Après l'Ouest, la Tibonite, c'est le département qui gagne plus cas infection à décès qui lié à COVID-19 là. Selon responsable DSA, il y a plus passé 1000 cas confirmés parmi eux, 36 décès qui enregistrés dans tout département la Tibonite là. Exalus Mère Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Merci Exalus. L'autre information, non journal là, ancien secrétaire d'État à production animale là, Michel Chancy souhaitait autorité au point. Bonjour mais qui a empêché maladie peste porcine africaine rentrer et puis faire dégâts dans le pays. Selon professeur Chancy, propagation maladie ça a gagné gros conséquences sur l'économie pays là, et spécialement dans le secteur élevage là. Docteur Michel Chancy t'a répondu question Lunel Jean-Louis à Chloro d'Ali Jean-Jacques. On écoute. Peste porcine africaine, c'est une maladie virale que liée. C'est une maladie qui était déjà existée sous Zilea. En 1978 et 79, il était contaminé d'abord République Dominicaine et ensuite Haïti. Et c'est peut-être ça qu'il a pris une décision de tuer tout cochon, ni en Haïti ni en République Dominicaine, pour être capable d'éliminer les microbes qui baillent maladie ça. C'est des maladies qui sont spécifiques à cochon. Ça veut dire que c'est seul cochon avec bête qui n'a même formé avec eux autant que sanglier que nous pas gagné sous Zilia, c'est seul bête ça yo qui ka prend maladie ça. Poule pas prendre et bœuf pas prendre, pas yon ken l'autre bête qui prend maladie ça. Ce qui fait que moun non plus pas est susceptible pour prendre. Ça qui est important c'est que population doit être bien sensibilisée parce que c'est moun qui capoter maladie en bas soulier yo ou bien caoutchouc machine ou bien les moun qui a cherché des petits cochons Saint-Domingue ou bien viande cochon qui vient avec yo. C'est comme ça maladie après rentrer à Haïti s'il pas rentré déjà. Donc dans année 78-79, ça a été fait, c'est que y a été tué tout cochon qui était sous ligne frontière pour essayer ouais, si maladie a pas de transmettre de cochon à cochon. Malgré tout, y a été fait ça, maladie a été venue gagner à Haïti, il était prêt tout pays à pour lui. Donc c'est sensibilisation, c'est le premier bagage qui pour faire pour tout le monde conscient que bon danger pour l'économie pays, pas un danger pour le monde. Dans le sens que il pas bail maladie mais en danger pour l'économie pays dans transporter produits qui fait avec cochon viande cochon ou bien cochon qui vivant et deuxième bagaille bien sûr faut que autorité yo prenne responsabilité yo dans le sens pour yo mettre contrôle et puis vraiment barrer tout côté mais ça nous connaît que son bagaille qui est très difficile j'en situation pays ayé et c'est comme ça le tayé tout en 1978-79 alors que deux pays ont gagné en pile m'te ka dit moyen. Malgré tout, il n'y a pas très ici et barré maladie. Donc ça peut demander en tête ensemble de tout pays, de autorité, autorité locale, pour prendre des mesures. C'est une maladie naturelle que lié, il existe dans plusieurs pays africains. Dans les pays, on est obligé de prendre précaution et à faire élevage cochon. Parce qu'il n'y a pas qu'à tuer toute bête sauvage qui pote germe, non, parce que c'est des germes qui sont naturels. Donc ou même qui veut faire élevage cochon, il faut qu'on ait fort une discipline, faut que l'élevage ou monde pas rentrer sauter n'importe gens la donne, en façon pour que n'importe maladie pas rentrer la donne. Il y a l'autre maladie qui attaque cochon tout pour peste porcine classique, mais lui-même il y a vaccin pour lui. Mais peste porcine africaine, pas de vaccin, pas de traitement, c'est la mort, c'est contrôle seulement que capable mettre dans isoler bête qui malade ou bien dans éradication. C'est pas une maladie qui affecte le monde. Donc nous mettre continuer manger tigri nous. Au contraire, profitez parce que bon, là, nous n'avons pas qu'à joindre. Parce que si cochon mourit ou si vous décidez à battre cochon dans série de côté, eh bien, nous parlons que viande cochon pour aller plus rapide, difficile. Jusqu'à présent, 75% de viande cochon que nous mangeons dans le pays d'Haïti, c'est viande cochon qui
lever Haïti. Nous connaissons pas tes oreilles cochon, que cochon qui sont à l'étranger, mais viande cochon, c'est viande haïtien que lié, viande cochon haïtien. Donc on y a là, et si maladie a frappé, nous viennent pral vin pira parce que cochon pral mourir, mais comme c'est pas une maladie qui affecte moun, nous mettre manger viande, pas décourager dans ce sens ça. Deuxième bagaille, c'est rester à l'écoute de mots d'ordre que autorité sanitaire yo pral bay, collaborer avec ça yo mandé nous faire, surtout moun ki sou frontière qu'on y a là, et moun ki gen élevage, si ou gen cas de cochon qui malade, surtout pas inviter tout moun vin wè. Aviser autorité yo, gen les agents vétérinaires tout côté, yo même y a pour qui ça yo ka fè, soit pour bay une assistance, soit pour essayer confirmer un diagnostic. Et le ça n'a pas obligé respecter une série de règles pour nous capable débarrasser nous d'un cochon qui t'a mouri pour que maladie a pas gagné. Et le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural fait population connaît, à tout le cap gade cochon, connaît autorité dans le pays République Dominicaine constater présence sur maladie qui relève peste porcine africaine cap attaquer cochon yo cas voisin. Dans ce sens, le ministère a fait connaît, il prend ensemble mesi pour empêcher maladie à entrer dans le pays d'Haïti. Parmi eux, il renforce surveillance épidémiologique sous frontière. Les renforcer mes sécurité sanitaire, la réaliser campagne sensibilisation sous maladie. Ministère agriculture dit qu'il était en contact avec l'autorité dominicaine pour prendre une série d'actions ensemble contre maladie peste porcine africaine. Et puis, réseau stop accident enregistré 43 accidents sous route yo, sorti 26 juillet pour arriver 1er août 2021. Directrice exécutive stop accident, docteur Cassandra Jean-François, expliquait que 169 victimes à cause d'accident sa yo, parmi yo 148 blessés avec 21 moun qui mourit. Docteur Cassandra Jean-François invite la population pour plus prudent sous route nationale yo pour protéger la vie yo ak moun dans l'environnement yo. En écoutez. Au niveau de stop accident, toujours dans le cadre collecte données sous accident de la voie publique qui arrive dans le pays, hein, pour semaine qui allait du 26 juillet au 1er août 2021, nous constatons que il y a une augmentation et de nombre d'accidents qui fait sur route, il y a une augmentation de nombre de victimes yo, et surtout de quantité de monde qui mourit pour semaine qui sont passées en là en comparaison avec deux mois avant yo, c'est-à-dire mois juin hein, avec mois juillet qui pratiquement les mêmes fini. Et gagner plusieurs camions qui chaviraient et sur plusieurs routes nationales dans le pays hein, et gagner un qui fait un pile et cas de blessés graves et qui même fait la mort. Et gagner un bascule qui était chaviré, il était rentré sur une moto 3 roues, il fait au moins 5 cas la mort sur place. Dans la zone Champé, dans le Cap, alors il y a plusieurs accidents qui fait dans le nord pour semaine écoulée. Hein. Mais dans la zone Champé, il y a plusieurs accidents qui fait tout. Et il y a un nayo, et suite à lui-même, il y a deux timons qui sont grièvement blessés, donc qui l'hôpital qui prend soin, et suite à l'accident ça y est. Et donc, 43 accidents ça y est, il fait un total 169 victimes. Côté que il y a 148 cas de blessés là-dedans, il faut spécifier que dans 148 personnes qui blessés, il y a une dizaine de personnes là-dedans. Et il y a 21 personnes qui perdent la vie sur place, qui perdent la vie suite à l'accident. Côté que il y a 13 personnes qui mourent un seul jour. C'est le jour 29 juillet qui sont passés. Alors, zone qui est touchée par l'accident, c'est Kenscroft, Champin dans Cap-Haïtien, Montcas dans Fort-Liberté, Bourdon, Wanamet, Mont Blanche sur route nationale numéro 3, Pont Blanc et sur route 2000. Il y a un accident qui fait dans l'Ilavoie, dans Mont-Grand-Gil et dans Dondon. Il y a plusieurs accidents qui fait dans Jean-Rabel, Petit Gouave, sur route 9 ans, c'est vraiment une zone accidentogène. Chaque semaine, il y a des gens qui ont fait accident, qui ont perdu la vie sur route 9 ans, il y a un accident dans la zone Arcaillère et la Trier.
N'a vraiment souhaité une bonne semaine à tout le monde. Et pendant que n'a toujours conseillé de faire prudence sur route nationale. Et encore une fois, n'a toujours saisi l'occasion pour nous rappeler autorités compétentes la nécessité qui gagne pour même embarquer dans le domaine de sécurité routière pour faire de les priorités pour bien-être population en général, mais pour bien-être pas yo même cap vivre sur territoire haïtien en particulier. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.